ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يا إخوتي الكرام، مصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشغر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعادنا الله منها. طيب، ندخل في باب جديد من أبواب هذا الكتاب، سماه المؤلف حفظه الله تبارك وتعالى من أخص علامات أهل السنة الاتباع. فقد ذكر المؤلف حفظه الله تبارك وتعالى في هذا الباب عدة أدلة من الكتاب والسنة، وأقوالا وأثرا من سلفنا الصالحين، كل ذلك تتعلق بهذا الموضوع الجليل. نعم. Donc ici mes frères, nous allons entamer un nouveau chapitre parmi les chapitres selon la division qu'en a faite l'auteur du livre. Et le chapitre s'appelle « Parmi les signes les plus distinctifs des gens de la Sunna, il y a le « El-Ittiba », le suivi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « El-Ittiba ». Nous avions déjà évoqué que « El-Ittiba », c'est un des fondements de la Sunna, si ce n'est que c'est un des fondements de la religion. Puisque le premier pilier de l'islam, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Donc dans cette parole, je témoigne que l'envoyé d'Allah, que Mohammed est l'envoyé d'Allah. Il y a dans ceci justement cette notion de suivi, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam en dehors de toute autre personne. Bien sûr, ici quand on parle de l'ittiba, du suivi, c'est un suivi dans l'absolu. Non, c'est pas un suivi qui est conditionné par quelque chose. Car comme nous l'avions déjà montré, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou l'obéissance du prophète, elle se suffit en elle-même. Dans le sens où celui qui obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'il avait obéi à Allah. Non? Contrairement à toutes les autres catégories de personnes où leur obéissance et leur suivi est conditionné par la conformité du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لقد أمر الله تبارك وتعالى عباده باتباع النبي صلى الله عليه وسلم باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم وطاعته والقص على أثره في آيات كثيرة. Donc il dit que certes Allah le Très-Haut a ordonné à ses serviteurs le suivi de son prophète صلى الله عليه وسلم et son obéissance et le suivi de ses traces, et ceci dans de nombreux versets du Coran parmi eux. Donc ici nous allons citer inshallah à la bab at-tadhkir wa at-tarsikh, nous allons citer inshallah, réitérer les preuves concernant l'obéissance qui doit être observée vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son suivi. Na. Wa qawluhu ta'ala qul ati'u Allah wa rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbu al-kafirin. Et dit obéissez à Allah et à son envoyé. Et si vous vous détournez, alors Allah certes n'aime pas les mécréants. Ici, il y a une allusion dans ce verset au fait que celui qui se détourne volontairement, de manière globale, du suivi du prophète et de l'obéissance du prophète, celui-là rentre dans la mécréance majeure. C'est ce qu'on appelle kufr al-i'rad. C'est la mécréance du détournement. On se détourne de la religion en disant par exemple, je ne suis pas obligé de suivre le prophète. Celui qui dit ça, faqad dakhala fil kufr al akbar, est certes rentré dans la mécréance majeure. Naam. Ce verset c'est une preuve et on verra, je vous citerai un autre verset tout à l'heure qui montre aussi ceci. Donc la gravité de toute personne qui peut se passer ou qui prétend pouvoir se passer du suivi de l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa qawluhu ta'ala
وَأَطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Et obéissez, dit, obéissez à Allah et à son envoyé, afin qu'il vous soit fait miséricorde. وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Et la parole du Très-Haut, que pour qu'il soit obéi. Nous avons envoyé des messagers que pour qu'ils soient obéis par la permission d'Allah, c'est-à-dire par le décret d'Allah, comme l'ont expliqué les commentateurs du Coran. Si lorsqu'ils ont fait du tort à leur propre personne, ils venaient à toi en implorant le pardon d'Allah, et si le messager demandait le pardon pour eux, ils trouveraient certes Allah très accueillant au repentir. Par ton Seigneur, ils ne seront croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger dans leur dispute, et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Donc ça ici, ce sont les deux versets de Sourate An-Nisa, ils sont très importants mes frères. Premièrement, le premier verset, je vais relever une ambiguïté qui traîne à notre époque et que les gens d'innovation prennent. Ils prennent ce verset-là comme argument pour légitimer et légiférer leur acte de mécréance et de polythéisme. Et j'expliquerai le deuxième verset aussi. Lorsque Allah dit tabaraka wa ta'ala, certes, nous n'avons envoyé de messagers que pour qu'ils soient obéis par la permission d'Allah, c'est-à-dire par le décret d'Allah, al-qada ou al-qadar, al-shar'i. Si lorsqu'ils ont fait du tort à leur propre personne, écoutez bien, ils venaient à toi en implorant le pardon d'Allah. Certaines personnes qui légifèrent ou qui rendent autorisé le fait de prendre comme intermédiaire des gens pieux dans les tombes, afin qu'ils les rapprochent d'Allah, ou alors les prendre comme intercesseurs. Ceci, nous savons certainement que c'est un acte de polythéisme majeur, qui fait sortir la personne de l'islam. Toute personne qui demande l'intercession d'un mort, ou qui essaie de se rapprocher d'Allah par l'intermédiaire, ou par le moyen, ou par l'intermédiaire d'un mort, cette personne-là a fait un acte de polythéisme majeur, comme ceci est clairement prouvé à travers les textes quantiques. Alors ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, regardez, Allah dit, si lorsqu'ils font du tort à leur propre personne, c'est-à-dire lorsqu'ils font des péchés, désobéissent à Allah, ils venaient à toi, c'est-à-dire au prophète, en implorant le pardon d'Allah, et si le messager demandait le pardon pour eux, ils trouveraient certes Allah très accueillant au repentir. Ils disent, regardez, c'est bien une preuve comme quoi nous allons vers la tombe du prophète et on demande, justement, on demande au prophète qu'il implore le pardon d'Allah pour nous. Et ils disent, regardez, c'est légiféré. Voilà, comment on répond à cette ambiguïté? Très simplement. Awalan, ici, dans la forme, dans la syntaxe, Allah il a dit, tabaraka wa ta'ala, idh zalamu anfusahum, idh. C'est une préposition qui indique que lieu, il a déjà été fait. Donc c'est comme si Allah dit, et lorsque ils ont fait du tort à eux-mêmes, la chose elle est déjà faite. Donc ici le verset il s'adresse à des personnes en particulier qui étaient vivantes à l'époque du prophète et le prophète était vivant. Qu'est-ce que nous dit ici Allah? Si cette personne-là venait vers le prophète en déclarant ouvertement le repentir à Allah, le prophète demanderait le pardon pour eux et Allah accueillerait leur repentir et leur pardonnerait leurs péchés. Voilà le sens du verset. Donc ce verset-là, il s'adresse à des gens qui étaient vivants à l'époque du prophète et le prophète était aussi vivant. Pourquoi? Car ils ont confondu entre deux choses, ces innovateurs. Ils ont dit, ils ne font pas la différence entre « idh » ou « idha ». Ici, Allah n'a pas dit « Iza zalamu anfusahum ».« Iza lil mustaqbal ». C'est comme si on dit « Iza », c'est comme si Allah disait « Et lorsqu'ils feront du tort à eux-mêmes, ils viendront vers le prophète ». Ici, non, ce n'est pas le cas, ce n'est pas le sens voulu.
Ici, le terme employé, c'est « iz zalamu ». Donc, « iz », c'est « khas », c'est spécifique pour le passé. Donc, ça, c'est déjà une première ambiguïté qui est relevée et sur laquelle on peut réfuter. La deuxième chose, Allah dit, « Tabaraka wa ta'ala, inna alladhina yunadunaka min wara'il hujurat, aktharuhum la ya'qilun. » La plupart des gens qui t'appellent de derrière les appartements, de loin comme ça, ce sont les gens qui ne réfléchissent pas. Toute personne qui vient devant la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et on sait que le prophète a été enterré dans un de ses appartements, et entre sa tombe et les personnes, il y a un mur, même deux. Toute personne qui vient voir le prophète et qui fait ce qu'on appelle le tawassul, la demande d'intercession, celui-là, il est obligé de l'appeler le prophète. Donc il rentre dans le verset coranique où Allah dit, ce sont des gens qui ne réfléchissent pas. Vous avez compris les frères ? Ceux qui t'appellent de derrière les appartements, la plupart de ces gens-là ne réfléchissent pas. Non. Donc ce verset-là n'est pas une preuve pour légitimer et légiférer at-tawassul bis-salihin, c'est-à-dire la demande d'intercession auprès des hommes pieux morts. Non. Du temps du prophète, il était permis d'aller voir le prophète et de demander qu'il implore le pardon d'Allah pour nous. Comme il est permis de demander à toute personne pieuse d'implorer le pardon d'Allah pour nous, de son vivant. Dès lors que les quatre conditions sont remplies, dès lors qu'il est vivant, présent, capable, la chose qu'on lui demande, c'est dans sa capacité. Et enfin, dernière chose, il faut croire que lui c'est juste une cause. يُعْتَقَدُ فِيهِ أَنَّهُ السَّبَبُ. Que c'est une cause. Que ce n'est pas lui qui va te pardonner ou ce n'est pas lui qui va agir directement dans ton intérêt. C'est juste un intermédiaire. Si ces quatre conditions sont réunies, alhamdoulilah, c'est permis. Vivant, présent, capable. Il faut qu'on considère que c'est juste une cause parmi tant d'autres. Si une de ces conditions ne sont pas réunies, on tombe dans un acte de shirk majeur. Regardez ce que dit Allah juste après. Par ton Seigneur, Allah ici jure, tabaraka wa ta'ala, ils ne seront croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger dans leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Ici, il y a 3 degrés, mes frères, et ces 3 degrés-là, en fait, ils correspondent ou ils représentent les 3 degrés de la religion, l'islam, l'iman ou l'ihsan. Le degré de l'islam, c'est le premier où Allah dit, tabaraka wa ta'ala, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger dans leurs disputes. At-tahakum ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de revenir vers le prophète ou alors vers la sunna du prophète lorsque nous sommes dans des disputes, dans des querelles, dans des complications, dans des divergences. On revient vers qui ? On vient vers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou alors vers le prophète de son vivant. Naam. Ceci fait partie de l'islam. Naam. Et c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que celui qui se détourne de ça, volontairement et en globalité, qui rejette « Et-tahakum ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam », celui-là est rentré dans la mécréance majeure. Non, mes frères ? Car en dessous de l'islam, il n'y a rien. Celui qui perd son islam, il a tout perdu. Non, mes frères ? Le deuxième degré, c'est lorsque le prophète a décrété une chose, ils ne trouvent aucune gêne en eux-mêmes. Ils acceptent. Dans leur cœur, ils acceptent dans leur cœur, ils agréent dans leur cœur la sentence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou alors, si vous voulez, à notre époque, on accepte le décret du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça relève de l'imen. C'est un degré qui est au-dessus. Non ? Ça vient compléter la foi. Et aussi, il y a un degré, un troisième degré qui est l'ihsan, qui est l'excellence. Non ? Et celui-ci, c'est quoi ? Wa yusallimu taslima. Dès lors qu'ils ont été voir le prophète, ou ils sont revenus vers le livre d'Allah et la sunna du prophète afin de juger dans leurs différends, qu'ils ont accepté dans leur cœur la sentence, même si elle va à leur encontre, et qu'ils se soumettent à la sentence par leurs actes, alors cette personne-là, faqal istakmala maratib ad-din, cette personne-là, elle a parfait des 3 degrés de la religion. Non ? Walakin. Les 2 degrés, l'iman ou l'ihsan, à la babi takmil l'iman. C'est dans un sens de parfaire la foi. Par contre, le premier, celui-là, il peut être préjudiciable pour la personne.
Et il peut tomber dans un danger très grave, dans le sens où il se détourne du jugement du prophète ou du jugement du livre d'Allah et de la sunna du prophète. Fahuwa ala khatarin azim. Vous avez compris ça? Non. Donc ici, le verset, pourquoi le shir, Hafidallah tabaraka wa ta'ala, a ramené ce verset ici, c'est pour nous montrer que l'obéissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un ordre divin et un décret divin sur lequel on n'a pas le choix. Naam. C'est pas une démocratie, comme disent certains, on a le choix. Naam. Je le fais si je veux. Naam. On est en démocratie. Alhamdulillah. Comme l'avait dit l'imam Zuhri, rappelez-vous, il avait dit, il convient à Allah la descente du message ou la révélation du message. Il convient au prophète la transmission du message et à nous, il nous incombe quoi? La soumission. L'application. Voilà ce qui nous est demandé, les frères. Ni plus ni moins. Non. Et ne pas discuter sur ces principes-là. Wa qawluhu ta'ala wa min al-adillati kadhalika ala wujub ittiba'i an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Parmi les preuves aussi concernant l'obligation du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a: prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah, car Allah est dur en punition. Non. Prenez ce que le messager vous donne. Comment on déduit de ce verset l'obligation religieuse? On l'a déduit par le verbe à l'impératif. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ فِعْلُ أَمْرٍ. Le verbe à l'impératif dans la législation, dans le livre ou la sunna, il indique l'ordre religieux, sauf si on a un texte qui nous fait ramener ce verbe à l'impératif à une recommandation seulement. Non, si on a des textes qui nous prouvent que c'est juste recommandé, dans ce cas-là, c'est recommandé, mustahab. Mais si on n'a aucun texte qui nous prouve que c'est recommandé, alors on reste sur la base. Et la base, c'est quoi? C'est que l'ordre, le verbe à l'impératif, implique l'obligation religieuse. Vous avez compris, les frères? A dit, c'est très important à comprendre. Donc ici, dans ce verset, « وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Ce que vous ramène le prophète, prenez-le. Prenez-le, on le comprend, prenez-le à la bab al-wujub, de façon obligatoire, ou de manière obligatoire. Si vous le faites, vous serez récompensé. Si vous ne le faites pas, vous mériterez le châtiment. Naam, les frères? C'est ça que ça veut dire, Inch'Allah, concrètement. Donc c'est une preuve claire et nette concernant l'obligation de suivre le prophète et de lui obéir. يقول المؤلف والآية في هذا المعنى كثيرة وكلها تدل على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه. Il dit tous ces versets allant dans ce sens sont nombreux et tous les versets allant dans ce sens sont nombreux et tous nous montrent clairement l'obligation quant à l'obéissance de l'envoyé صلى الله عليه وسلم et son suivi. Est-ce que les preuves sont juste restreintes ou consignées dans le livre d'Allah, ou alors il y a aussi des preuves dans la sunna du prophète? Il y a aussi des preuves dans la sunna du prophète à profusion, mes frères. Non. Quant aux hadiths, dans le même sens, ils sont très nombreux parmi eux. Ma thabata fi sahihayni min riwayati Abi Hurayrata radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala man ata'ani faqad ata'a Allah wa man 'asani faqad 'asa Allah. D'après la version de Abi Huraira dans les deux authentiques, hadith muttafaqun alayhi, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui m'aura obéi aura certes obéi à Allah, et celui qui m'aura désobéi aura certes désobéi à Allah. Nous l'avions déjà expliqué, l'obéissance du prophète et l'obéissance d'Allah ne sont qu'une. Il n'y a aucune différence entre les deux. Et toute personne qui fait une différence entre eux, l'ordre d'Allah et l'ordre du prophète, c'est un innovateur. Non. Nous avions déjà expliqué dans des cours précédents que certaines personnes s'en tiennent seulement au Coran et délaissent la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Non. C'est ce qu'on appelle en arabe al-Qur'aniyoun, les coranistes. Ils disent, ce que nous trouvons comme chose dans le Coran, nous le prenons
et on ferme les yeux sur tout ce que le prophète a dit ou nous a ordonné. Non? Alors que il n'y a aucune contradiction, si on retrace tous les textes du prophète, toutes les paroles du prophète et tous les versets coraniques, il n'y a aucune contradiction dans les règles religieuses, ni dans les informations d'ailleurs, entre la parole du prophète et la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Fil ahkam ash-shar'iyya, dans les règles religieuses, la parole d'Allah et la parole du prophète ne forment qu'une seule chose. Naam. Wa man yufarriq baynahuma bayna qawli an-nabi wa qawli Allah tabaraka wa ta'ala fa huwa mubtadi'. Ça mubtadi' bi-ittifaq al-ulama. À l'unanimité des savants, celui qui fait la différence entre la parole d'Allah et la parole du prophète dans les règles religieuses, celui-là est un innovateur à l'unanimité des savants. Donc ici, il est aussi important de citer les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous montrent l'obligation de suivre. Donc le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui m'aura obéi aura certes obéi à Allah. Non? Et celui qui m'aura désobéi aura certes désobéi à Allah. Est-ce qu'il y a une parole plus claire que celle-ci? Non, c'est une parole qui est claire en elle-même. Non, les frères. وعند البخاري من روايه ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قيل يا رسول الله ومن يابى قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى d'après l'imam al-bukhari d'après une version de abi hurayra رضي الله عنه qui a dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit toute ma communauté rentrera au paradis sauf celui qui s'y refuse. On demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam quel est celui qui s'y refuse. Qui se refuse de rentrer au paradis? Amonon Ajib, les frères. Naam. Alors le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui m'aura obéi rentrera au paradis, et celui qui m'aura désobéi, celui-là s'y aura refusé. Ou si vous voulez, aura refusé d'y rentrer. Naam. Inconsciemment. Naam. Si on lui demandait, veux-tu aller au paradis? Il va dire, oui, je vais aller au paradis. Mais à cause de ses actes, à cause de sa désobéissance du prophète, l'âme, il se peut que le paradis lui sera interdit, qu'Allah nous en préserve. L'âme. نقتفي بهذين دليلين. طيب. وبعد ذلك يقول المؤلف وهذا الأمر مهم جدا. والاتباع لا يتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور ستة. Il dit que le suivi ne pourra se réaliser que si l'acte est conforme à la charia dans six choses. Tout acte, mes frères, tout acte religieux, toute adoration, non, ou prétendue comme adoration, doit faire l'objet d'une enquête, si on peut le dire comme ça. Non. Elle doit être conditionnée, si on peut dire comme ça, par six choses différentes. Si une de ces six choses n'est pas respectée, l'acte n'est pas conforme. Non. Donc nous allons voir, Inch'Allah, les six choses avec des exemples concrets, Inch'Allah. Al-awwalu, al-sabab. Fa'idha ta'abbada l'insanu lillahi ibadatan makrunatan bi sababin ghayri shar'i. Fa'hiya bid'atun mardoudatun ala sahibiha. كالذي يحيي ليلة السابع والعشرين من رجب بحجة أنها ليلة التي عرج فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم فالتهجد عبادة ولكن لما قرن بهذا السبب كان بدعة لأنه بني على سبب لم يثبت شرعا. La première de ces conditions où que cette ibada doit respecter, cette adoration doit respecter, c'est la cause, السبب. La cause, lorsque le serviteur adore Allah par une adoration liée à une cause qui n'est pas légitime, elle constitue une innovation. Elle constitue une innovation religieuse à rejeter à la face de son auteur. Comme celui qui fait vivre la 27e nuit du mois de Rajab, en s'appuyant sur le fait qu'elle représente la nuit durant laquelle a été élevé l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au ciel. Elle devient une innovation religieuse car elle est basée et bâtie sur une cause qui n'a pas été authentifiée religieusement. Non, mes frères, vous avez compris? Non. At-tahajjud. Le fait de rester la nuit en prière, est-ce que c'est quelque chose d'interdit? Non. L'acte en lui-même, il n'est pas interdit. Walakin, cet acte-là, il est lié à une cause.
il est lié à une cause qui, elle, n'a pas été authentifiée religieusement. C'est quoi cette cause? C'est la 27e jour, le 27e jour de la nuit de Rajab. Le 27e jour, la 27e nuit du mois de Rajab. Qui, selon laquelle le prophète a été élevé au ciel. Bien qu'il y a des divergences sur cette question-là. Donc toute personne qui fait la prière de la nuit, que pour cette cause-là, à cause de ça, son acte d'adoration, cette prière-là, sont à rejeter à sa face. Elles ne sont pas acceptées car elles sont liées à une cause qui n'est pas légitime. Naam, les frères? On pourrait aussi citer El Maulid al-Nabawi. Naam. Dans le Maulid al-Nabawi, que font les gens de manière générale? Ils lisent la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Qu'est-ce qu'ils font? Ils lisent le Coran. Ils font des actes d'adoration. Ils se réunissent. Naam. Tout ça, est-ce que c'est interdit en soi? Non. Walakin, cette réunion, cet ensemble d'actes d'adoration, ils sont liés à une cause qui n'a pas été authentifiée religieusement, la naissance du prophète. Le prophète n'a pas fêté sa naissance, ni les compagnons n'ont fêté sa naissance, ni les premiers siècles, les trois premiers siècles qu'a vanté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est une innovation religieuse qui est apparue à l'époque des Ubaydiyyin, qui eux s'appellent Al-Fatimiyyin. Naam, Al-Fatimi. Mais on ne les appelle pas le Fatimiyyin. On les appelle l'Ubaydiyyin. Ce sont une secte chiite qui avait la gouvernance en Égypte à l'époque. Et ils se sont fait appeler Al-Fatimiyyun. C'est-à-dire les descendants de Fatima. Bint Rasulillah alayhi wa sallam. Naam. Justement pour agrandir leur notoriété. Mais à la base, c'est le Fatimiyyun. C'est l'Ubaydiyyun. C'est eux qui ont inventé cette innovation religieuse lorsqu'ils ont vu les chrétiens fêter la naissance de Isa ibn Maryam. Non. Donc la cause qu'ils ont inventée, elle n'a pas de fondement juridique ou de base religieuse, ni dans le livre d'Allah, ni dans la sunna du prophète. Elle est donc une innovation religieuse qui est à rejeter à la face de son auteur. Vous avez compris les frères? As-sabab. Donc pour que tout acte religieux soit accepté, il faut que la cause qui est liée à cet acte soit légiférée. Non. On pourrait aller à l'opposé citer par exemple le jeûne du mois de Ramadan. Naam. Une personne qui jeûne pendant le mois de Ramadan, elle le fait à cause du mois de Ramadan. Naam, les frères? Donc son adoration est acceptée. Car Allah nous a demandé de jeûner pendant ce mois-là. Naam, les frères? Ça, c'était la première chose. الثانية الجنس فلا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها فلو تعبد إنسان لله بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة كالذي يضحي بفرس فلا يصح أضحية لأنه خالف الشريعة في الجنس لأن الأضاحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. La deuxième, c'est la nature de l'acte, le jins. Il faut que la nature de l'acte soit en conformité avec ce qu'Allah a légiféré. Il est nécessaire que l'adoration soit en conformité avec la législation dans sa nature. Si l'homme adore son Seigneur par une adoration qui n'a pas été légiférée de par sa nature, elle devient donc non acceptée. Comme celui qui égorge un cheval le jour de l'Eid. Est-ce que ceci est accepté? Non. Car les bêtes qui doivent être égorgés le jour de l'Eid, ce sont les bêtes de cheptel, bahimatul an'am, c'est-à-dire les camélidés, les bovins, les ovins. Ils rentrent aussi, certains savants disent, comme Abdurrahman ibn Sa'adi, al-baqar al-wahshi, wal-ziba, wal-humr al-wahshiya, c'est-à-dire les zèbres, les bêtes de gibier aussi. Ils peuvent rentrer dedans, qad yadkhulu fiha. Walakin, d'une manière générale, les camélidés, c'est-à-dire la famille des chameaux, les bovins, les ovins. Celui qui égorge un cheval, est-ce que son sacrifice sera accepté? Il ne sera pas accepté. Car la nature de l'acte est en non-conformité avec ce qui est demandé. Pour que son sacrifice soit accepté, il faut que la nature de la chose soit en conformité. Il faut qu'il égorge soit un camélidé, donc c'est un dromadaire, ou un chameau, ou même un lama. Non, ça fait partie de la famille des camélidés. Ou alors un bovin, d'accord, vache, bœuf, veau, ou alors
un animal de la famille des ovins, c'est-à-dire un bélier, un mouton, une brebis, etc. etc. Hein, les frères? Donc ça, c'était la deuxième chose. الثالثة القدر فلو زاد في الصلاة عمدا لا تصح لأنها مخالفة للشرع في القدر. La troisième chose, c'est la quantité. Il faut que l'acte d'adoration soit aussi en conformité avec la législation d'Allah dans la quantité, dans la juste mesure. Il dit le mu'allif, s'il viendrait à rajouter une chose dans la prière de manière préméditée, elle ne saurait être acceptée. Car il viendrait contredire la législation dans la quantité et la mesure. Une personne qui prie une prière de 5 raka'at au lieu de 4, sa prière est acceptée? Elle n'est pas acceptée. Celui qui jeûne 31 jours, son jeûne est accepté? Son jeûne n'est pas accepté. Non, les frères? Ou plutôt son 31e jour, le jour en plus. Non. Celui qui continue son hajj le 14e jour de Dhul Hijjah, est-ce que c'est accepté? Non. Liannahu zada, il a rajouté. Non. Ou alors celui qui diminue, celui qui fait la prière de Dhuhr, de Raka'at, c'est accepté? Non. Donc vous voyez bien, mes frères, que même dans la mesure et la quantité, il faut que ça soit en conformité. La quatrième, al-rabi'a, al-kayfiyya. فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا صَلَّى فَقَدَّمَ السُّجُودَ عَلَى الرُّكُوعِ لَا تَصِحْ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ مُخَالِفَةٌ لِشَرْعِ فِي الْكَيْفِيَّةِ. Il y a dans le quatrième la manière. Si un homme viendrait à prier en se prosternant avant l'inclinaison ou avant la génuflexion, il fait sujoud avant rukou', sa prière ne saurait être acceptée. Surtout que la génuflexion et la prosternation, ce sont des piliers de la prière. Là. Et tartib, c'est un des piliers de la prière aussi. Donc, si un homme viendrait à prier en se prosternant avant l'inclinaison, sa prière ne saurait être acceptée car elle constituerait une prière en contradiction avec la législation dans la manière. C'est clair, les frères? Les exemples, Inch'Allah, sont nombreux là-dessus. Alors, al-khamis, al-zaman, falau dhaha awwala dhil hijjati. لم تقبل أضحيته لمخالفة الشرع في الزمان. La cinquième, c'est le temps. Si il venait à sacrifier une bête le premier jour de Dhul Hijjah, le premier jour de Dhul Hijjah. Dhul Hijjah, c'est le mois du Hajj. On égorge la bête quel jour? Le dixième jour. Non? Si la personne égorge le premier jour de Dhul Hijjah, c'est-à-dire 10 jours avant le jour du sacrifice, le jour de l'Eid. Son sacrifice ne saurait être accepté car il viendrait contredire la législation. Dans quoi? Dans le temps. Fils Amen. Non? والسادس المكان فلو طاف من وراء المسجد فلا يصح طوافه لأن مكان الطواف البيت. Le sixième, c'est le lieu. Si il venait à circumambuler, tawaf, tourne autour de la Kaaba, de derrière la mosquée. Non, en fait, il fait le tour de la mosquée. Sa circumambulation ne saurait être acceptée car la circumambulation ne doit être faite qu'autour de la maison sainte, qu'autour de la Kaaba. Non. Que dire d'ailleurs de ceux qui tournent autour des tombes? Non, autour des mosquées. À plus forte raison. Le lieu ici, il est légiféré. C'est Hawl al-Kaaba. Hawl al-Baytillahi al-Haram. Vous avez compris, les frères, ces choses? Al-Sababu. والجنس والكيفية والقدر والزمان والمكان. D'accord? Retenez bien ceci, Inch'Allah. Et vous appliquez ça à n'importe quelle chose. N'importe quelle chose, même des choses de notre époque. Les gens qui sont dans l'innovation religieuse, vous verrez que leurs actes contredisent la charia dans une de ces 6 choses-là. Non, forcément. فالعبادة لا تكون عملا صالحا إذا اختل شرط المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم والمتابعة لا تصح إلا بالأمور الستة السابقة. L'adoration ne pourra être définie comme acte pieux si l'une des conditions du suivi de l'envoyé d'Allah صلى الله عليه وسلم venait à manquer. Le suivi ne pourra être valide qu'en respectant les 6 critères nommés précédemment. Après avoir dit ceci, يقول الإمام البربهاري رحمة الله تبارك وتعالى عليه واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم
ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. L'imam al-Barbahari a dit qu'Allah lui fasse miséricorde. Sache qu'Allah te fasse miséricorde. Que toute personne parlant sur la religion d'Allah avec sa raison, ou son analogie, ou son explication, son interprétation personnelle, sans se baser sur une preuve provenant de la sunna du groupe, a certes dit sur Allah ce qu'il ne sait pas. Et toute personne qui parle sur Allah, sur ce qu'il ne connaît pas, fait partie des menteurs. Comme le disent les savants, Al-qawlu ala Allah bila ilmin aynul kadhib. Le fait de parler sur Allah sans science, c'est le mensonge même. Aynul kadhib, c'est le mensonge même. Barakallahu fikoum les frères, faites attention à ceci, inshallah. Ne parlez pas sans science. Takallamu bi'ilmin aw iskutu bi'ilmin. Parlez avec science ou alors taisez-vous avec mansuétude et patience. Ne vous engagez pas dans des choses qui pourront se retourner contre vous yawm al-qiyam. ثم يقول الإمام البربهاري والحق ما جاء من عند الله عز وجل والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. Il dit, la vérité est ce qui vient d'Allah le Très-Haut et de la Sunna. La Sunna, la Sunna de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et du groupe. Ce sur quoi les compagnons de l'envoyé d'Allah se sont réunis à l'époque du califat de Abi Bakr, Omar wa Uthman. Radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhuma. Wa man iqtasara ala sunnati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ma kana alayhi ashabuhu wal jama'a falaja ala ahli al bid'i kulliha wa istaraha badalu wa salima lahu dinuhu insha Allah. Il dit, celui qui s'en tient strictement à la sunna de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et à ce sur quoi étaient les compagnons et le groupe, aura le dessus sur tous les gens de l'innovation, par l'argument et la preuve. Naam, il aura le dessus sur les gens de l'innovation, comment ? Bil hujjati wal bayan, par l'argument et la preuve. Naam, les frères ? C'est pour ceci que n'importe quelle personne des gens de la sunna qui a un minimum de science pourra réfuter sur le plus grand des innovateurs avec facilité. Pourquoi ? Car il a avec lui deux armes, le Coran et la sunna du prophète. Non ? Selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Très simple. Non ? Celui qui a un petit peu de science, inshallah, il pourra réfuter facilement sur tout grand innovateur. Il pourra le repousser dans ses retranchements. Non. Celui qui s'en tient strictement à la sunna de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et à ce sur quoi étaient les compagnons et le groupe, aura le dessus sur tous les gens de l'innovation par l'argument et la preuve et atteindra son objectif. Falaja, ça veut dire aussi atteindra son objectif. Falaja ala ahl bida. Son corps se reposera et sa religion sera préservée si Allah le veut. Naam, les frères. Je termine la parole de l'imam al-Barbahari. ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب السنة وصاحب جماعة وحقيق أن يتبع وأن يعانى وأن يحفظ وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. Toute personne qui connaît ce qu'ont délaissé les gens de l'innovation, c'est-à-dire de la sunna, et ce de quoi ils se sont détachés en s'attachant à leurs principes, fait partie des gens de la sunna et des gens du groupe, et il est plus en droit d'être suivi, d'être assisté, d'être protégé, car il fait partie de ceux que nous a enjoint l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez compris cette parole de l'imam al-Barbahari? Non. Je vais vous traduire ici la parole de Ibn Abi Zayd, qui est un grand savant, min al-Malikiya, qui a vécu au 5e siècle de l'Hégire, et qui a dit, قال Ibn Abi Zaydin القيرواني رحمه الله تبارك وتعالى في بيان الأمور التي أجمعت عليها الأمة من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة. يقول التسليم للسنن لا تعارض برأي ولا تدافع بقياس وما تأول منها السلف الصالح تأولناه وما عملوا به عملناه وما تركوه تركناه
ويسعنا أن نمسك عما أمسكوا عنه ونتبعهم فيما بينوا ونقتدي بهم فيما استنبطوه وفيما رأوه في الحوادث ولا نخرج من جماعتهم فيما اختلفوا فيه أو في تأويله وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وقول أئمة الناس في الفقه والحديث على ما مغرى ذكره وكله قول مالك رحمه الله تبارك وتعالى. ابن أبي زيد قال الفاس ميزيريكورد أدي dans l'éclaircissement des points sur lesquels se sont accordés et réunis la communauté concernant leur religion ainsi que des traditions desquelles se trouvent à son opposé l'innovation et l'égarement, il dit « La soumission aux traditions ne doivent pas être opposées aux avis personnels. » On n'oppose pas la sunna à un avis personnel. « Lamma yaqulu rajulu qala Allah qala Rasulullah » On ne dit pas « Oui, mais je pense que... » les frères ? Ça, c'est arrivé à quelle époque ? À l'époque de l'imam Ahmed déjà. À la Aïdine Mu'tazila, qui disait justement, nous pensons qu'avec notre raison, notre raison nous dit ça. Ceci est en contradiction avec notre raison. Et lorsqu'on leur ramenait les versets coraniques, clairs, muhkam, et les hadiths du prophète, ils disaient, ceci est en contradiction avec la raison humaine. Nous le rejetons. Et certaines personnes, min afrahi haoula, parmi la descendance de ces gens-là, il y a l'aqlaniyoun, les rationalistes, si on peut les appeler comme ça, qui ont certaines conceptions encore des mu'tazila de l'époque, et qui justement font devancer la raison sur les textes religieux. Donc c'est ce que dit ici Ibn Abi Zaydin al-Qayrawani, il dit on ne fait pas opposer la sunna à un avis personnel. L'âme. La primauté de la parole d'Allah et de la parole du prophète. C'est un fondement des gens de la sunna. Donc il dit, la soumission aux traditions, elles ne doivent pas être opposées aux avis personnels, ni être défendues par des analogies. Ce que nos pieux prédécesseurs ont expliqué d'elles, c'est-à-dire des traditions, nous l'expliquons de la même façon. Et ce qu'ils ont mis en application d'elles, nous le mettons en application de la même façon. Et ce qu'ils ont délaissé d'elles, nous le délaissons de la même façon. Il est de notre devoir de s'accrocher à ce sur quoi ils se sont accrochés. Et nous les suivons dans ce qu'ils ont éclairci et se sont laissés. Et on se laisse guider par ce qu'ils ont déduit des hadiths et de ce qu'ils ont vu. Nous ne sortons pas de leur groupe dans ce sur quoi ils ont divergé ou dans leurs explications et tout ce qui a été suspensionné, tout ce qui a été suspensionné ici, est la parole des gens de la sunna et la parole des grands imams de la jurisprudence et le hadith. Et tout ceci est aussi la parole de l'imam Malik, puisque lui c'est un Maliki. Donc, Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, il nous dit clairement que l'imam Malik aussi était sur cette voie-là. La soumission au texte religieux, mes frères, barakallahu fikoum. Un savant, quel qu'il soit, même si c'est un savant de la sunna, même si on reconnaît sa notoriété, sa place, sa valeur auprès d'Allah, ses propos seront toujours pris en considération au regard des paroles d'Allah et des paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On ne suit jamais un savant aveuglément. Naam, les frères ? Et ceci, qui c'est qui le dit ? C'est Allah, c'est son prophète et c'est les savants de la sunna eux-mêmes. Naam. C'est les savants de la sunna eux-mêmes. L'imam al-Asbahani, un peu plus loin dans le livre, يقول واعلم أن فصل ما بين أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة مسألة العقل فإنهم أسسوا دينهم على المعقول وجعلوا الاتباع والمأثور تبعا للمعقول. Je vais déjà vous traduire ceci. L'imam Al-Asbahani nous dit, sache que la distinction et la différence entre nous et les gens de l'innovation,
réside dans la problématique de la raison. Tout tourne autour de l'aql. N'am les frères, l'aql. C'est-à-dire, ceux qui disent tout ce qui rentre dans la raison humaine, tout ce qu'on peut comprendre avec notre raison, on l'accepte. Tout ce qu'on ne peut pas comprendre avec notre raison, on le rejette. N'am. Les gens de la Sunna ne disent pas ça du tout. Ils disent tout ce qui vient d'Allah et du prophète et qui a été authentifié d'Allah et du prophète, nous l'acceptons, même si on ne le comprend pas. Et tout ce qui ne vient pas d'Allah ni de son prophète, on le rejette. La différence, elle est claire. Donc l'imam al-Asbahani nous dit ceci. La différence entre nous et les gens de l'innovation, hawla mas'alatil aql, tourne autour de ce principe-là. Non. Puis il dit, ils ont fondé, il parle des gens de l'innovation, ils ont fondé leur religion sur des choses rationnelles. Et ils ont considéré le suivi et ce qui était rapporté aux choses rationnelles. Quant aux gens de la sunna, ils disent la base dans la religion, c'est le suivi. Et les choses rationnelles ne viennent que suivre. Si le fondement de la religion était basé sur le rationnel, la création ou les gens pourraient se passer de la révélation. Ça, c'est une preuve rationnelle qui vient ici. Il ramène ici une preuve rationnelle pour dire si la religion était basée sur la raison, c'est-à-dire tout ce qu'on comprend rationnellement, on l'accepte, et tout ce qu'on ne comprend pas, on le rejette. Si c'était ça le principe de base, mes frères, pourquoi alors avoir envoyé un prophète? Non. Quel est l'intérêt d'avoir envoyé un prophète, susciter un prophète aux gens? Si toute chose peut être prise par la raison humaine. Mais l'envoi du prophète est bien une preuve qu'il y a des choses qui sortent de l'entendement humain, qui sont hors de la raison humaine. Notamment les choses qui concernent Allah, les attributs divins, ou les choses de l'invisible. L'âme, on ne peut pas les concevoir de manière parfaite avec notre raison, qui est limitée et déficiente. L'âme, les frères, on a besoin de la révélation. La base dans la religion, c'est le suivi. C'est pas le ma'koul, c'est pas l'aql, c'est le suivi, l'ittiba'. Et les choses rationnelles ne viennent que suivre. Nous l'avions déjà expliqué. Lorsque l'on suit la sunna, lorsqu'on suit le Coran et la sunna, on accepte. Nastaslim linnusus shar'iyya. Si on comprend les sagesses divines, alhamdulillah. Si on comprend pourquoi Allah il a décrété telle et telle chose, alhamdulillah. Ceci ne vient que qu'augmenter notre foi et notre soumission. Mais si on ne comprend pas ces choses-là, on va rejeter les textes divins ou les textes prophétiques. On dit sami'na wa ata'na. Nous avons entendu, nous avons obéi. Ils ont dit, si nous avions entendu, les gens du jour du jugement, si nous avions entendu ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens du Sa'ir, du feu de l'enfer. Ici, regardez bien dans ces versets coraniques, il y a d'abord Es-sam'u, thumma l'aql. Il y a d'abord l'écoute, Es-sam'u. L'écoute des textes religieux. Ça prévaut sur la raison humaine. Donc, barakallahu fikoum mes frères, faites attention à ce point-là. La raison ne doit jamais prendre la place de la soumission et du suivi. Mais la raison, si elle vient confirmer, après avoir suivi et après s'être soumis au texte religieux, si la raison vient confirmer, naam, alhamdulillah, on l'accepte. Naam. Donc il dit, la base dans la religion, c'est le suivi. Et les choses rationnelles ne viennent que suivre. Si les fondements de la religion étaient basés sur le rationnel, la création ou les gens pourraient se passer de la révélation et des prophètes. Et le sens de l'ordonnance du bien et de la réprobation du mal serait invalide et nul. Pourquoi alors le prophète se serait fatigué toute sa vie à appeler au bien et à interdire le mal? Si les gens pourraient, par leur propre raison, dire ça c'est bien et ça c'est pas bien. Ça c'est correct, ça c'est pas correct. Et chacun pourrait dire ce qu'il veut. Si la religion était basée sur le rationnel, il aurait été permis aux croyants de ne rien accepter jusqu'à ce qu'ils comprennent avec leur raison. Si la religion était basée sur le rationnel, comme le disent Al-Mu'tazila, Wal-Jahmiya, Waman Lafalafahum. Comme le disent Al-Mu'tazila, Wal-Jahmiya, ou alors les philosophes, ou tous ceux qui tournent autour d'eux. Dans leur conception religieuse, si la religion était basée sur la raison et juste sur la raison, alors il aurait été permis aux croyants de rejeter les textes religieux en disant
ce verset-là coranique, je ne le comprends pas, il ne rentre pas dans mes raisons, je le rejette. Non. Est-ce que c'est ça qu'Allah nous demande, barakallahu fikoum? Ou alors Allah nous demande de nous soumettre. Ya ayyuhan nas udkhulu fi sin mikafatan. Oh, vous les gens, rentrez dans la religion en pleine soumission. Dans la croyance, dans les actes, dans les propos, dans le cheminement, dans toutes choses, dans les mœurs, dans toutes choses. Naam, kafatan, c'est-à-dire en pleine soumission. Il ne vous est pas demandé de tergiverser ou de discuter sur les ordres divins. Alina, at-taslim, il nous est demandé de se soumettre. C'est le sens de l'ittiba, c'est le sens du suivi, c'est le sens de, c'est le sujet de ce chapitre. L'ittiba al-kamil, bit-taslim wa al-inqiyad lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam. ولما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على فهم سلفنا الصالحين. طيب. Il dit aussi, je ne l'ai pas lu en arabe cette parole. وقال الإمام الأسبهاني رحمة الله تبارك وتعالى عليه واعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل فإنهم وقال الأسبهاني رحمه الله تبارك وتعالى واعلم أن فصل بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل فإنهم أسسوا دينهم على المعقول وجعلوا الاتباع والمأثور تبعا للمعقول وأما أهل السنة فقالوا الأصل في الدين الاتباع الأصل في الدين الاتباع والمعقول تبع ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي وعن الأنبياء ولا بطل معنى الأمر والنهي ولا قال من شاء ما شاء ولو كان الدين بني على المعقول لجاز للمؤمنين ألا يقبلوا شيئا حتى يعقلوا نعم ويقول كذلك رحمه الله تبارك وتعالى قال أهل اللغة السنة السيرة والطريقة فقولهم فلان على السنة ومن أهل السنة أي هو موافق للتنزيل والأثر في الفعل والقول ولأن السنة لا تكون مع مخالفة الله ومخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم. Il dit aussi l'imam al-Asbahani à la suite de ceci, qu'Allah lui fasse miséricorde. Les gens de la langue arabe disent la sunna, c'est la voie et le chemin. Et ils disent un tel est sur la sunna ou fait partie des gens de la sunna, c'est-à-dire il est en conformité avec la révélation et les traces dans l'application et les paroles. Car la sunna ne pourrait être en contradiction avec Allah, ni en contradiction avec son envoyé, qu'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Naam, les frères? Il y a ici une shubha aussi, une ambiguïté religieuse que l'auteur du livre soulève. Naam, et à laquelle nous allons répondre, inshallah. Yaqul, wa in qila, kull firqatin tantahilu, اتباع السنة وتنسب مخالفيها إلى خلاف الحق فما الدليل على أنكم أهلها دون من خالفكم il dit et si on dit chaque groupe prétend suivre la sunna toute personne et c'est vrai mes frères toute personne à notre époque ou à travers toutes les époques prétend suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam vous ne trouverez pas une personne qui dit moi je ne suis pas la sunna du prophète chacun pense être sur la vérité chaque groupe prétend suivre la sunna et il qualifie leurs opposants comme étant en contradiction avec la vérité. Quelle est la preuve, cette personne-là nous dit, quelle est la preuve que vous, vous êtes les gens de la sunna en dehors de ceux qui vous contredisent? Non. Vous avez compris la question ou cette ambiguïté? Non. Les gens qui sont dans l'innovation religieuse disent aux gens de la sunna, vous dites que un tel et un tel et un tel sont dans l'innovation religieuse. Non. Mais eux, ils disent ça aussi de vous. Alors, quelle est la preuve que vous, vous êtes sur la vérité en dehors d'eux? Voilà la question, mes frères. قلنا يقول المؤلف الدليل على ذلك قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فأمر باتباعه وطاعته فيما أمر ونهى. La preuve, il dit qu'à la dit, nous disons. La preuve sur ceci est la parole d'Allah le Très-Haut. Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah car Allah est dur en punition. Non. Prenez ce que le messager vous donne. Ce verset coranique, mes frères, prenez ce que le messager vous donne. Certaines personnes pourraient dire,
nous prenons ce que le messager nous donne. Non? Et ce qu'il vous a interdit, évitez-le. Donc ici, il y a deux choses. Il y a la soumission au prophète dans l'obéissance, lorsqu'il nous ordonne une chose, mais la soumission du prophète au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le délaissement de ce qu'il nous a interdit. Donc il faut considérer ces deux choses-là. Non? À partir de ces deux principes-là, on regarde toute personne si elle est en conformité avec les versets coraniques. Non? Il dit, nous n'opposons pas à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam des conceptions rationnelles, car la religion n'est que soumission et suivi, et non pas le fait de ramener toute chose à ce que nécessite et implique la raison, car la raison mène à l'acceptation de la sunna, la raison saine, et ce qui amène à son annulation est de l'ignorance, non de la raison. Il dit ici, ولا نعارض سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالمعقول لأن الدين إنما هو الانقياد والتسليم دون الرد إلى ما يوجبه العقل لأن العقل ما يؤدي إلى قبول السنة فأما ما يؤدي إلى إبطالها فهو جهل لا عقل. Donc ici, comment on considère, comment on réfute sur ces gens-là? C'est très simple, mes frères. وما آتاكم الرسول فخذوه. Ce que le messager vous rapporte, prenez-le. Soumission. Lorsque vous voyez une personne qui n'accepte pas ce que le messager nous a rapporté, pour X raisons, non, quelles que soient les raisons qu'il avance, il est en contradiction avec les versets coraniques. Ou alors, il s'adonne à des choses que le prophète a interdit. Alors, celui-là, il est en non-conformité avec le verset coranique. Non, les frères, taïe. وقد تكفل الله تعالى لمن تمسك بالكتاب ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة فقال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. Allah certes s'est chargé pour toute personne qui s'accroche au livre fermement de ne pas l'égarer dans cette vie-là et de ne pas le rendre malheureux dans l'au-delà. Toute personne qui s'attache au livre et à la sunna, Allah lui donne la garantie. Quelle est cette garantie? Il lui donne la garantie qu'il ne l'égarera pas dans cette vie-là. Qu'il le maintiendra sur la voie de la droiture et de la guider. Et il ne sera pas malheureux dans l'au-delà. Au regard du verset coranique suivant, celui qui suit ma guidée ne sera ni égaré ni malheureux. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ فِي الدُّنْيَا وَلَا يَشْقَ فِي الْآخِرَ. Comme l'explique Ibn Abbas. Il y a un hadith du prophète qui est faux, qui est faible de par sa chaîne de transmission, mais son sens est authentique. Où il était dit que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Ashqan nas man ijtama'a alayhi faqr ad-dunya wa 'adhab al-akhirah. Le plus malheureux des gens, c'est celui qui aura regroupé la pauvreté dans cette vie-là et le châtiment dans l'au-delà. Il a perdu cette vie-là et l'au-delà. Ashqannas, le plus malheureux des gens, ou la plus malheureuse des personnes, c'est celui qui aura regroupé la pauvreté dans cette vie-là. Il aura été pauvre dans cette vie-là. Et il aura été aussi malheureux dans l'au-delà, c'est-à-dire châtié et dans le feu de l'enfer. Ashqannas. Donc le hadith, il est faible de par sa chaîne de transmission, mais son sens, il est authentique. وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رضي الله تبارك وتعالى عنهما أجار الله تابع القرآن من أن يضل في الدنيا ويشقى قال لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم قرأ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. Donc ici Ibn Abbas a dit رضي الله تبارك وتعالى عنهما Allah le Très-Haut a secouru le suiveur du Coran. Le suiveur du Coran, c'est qui, mes frères? C'est celui qui le lit, qui médite sur ses versets, qui met en application les enseignements qu'il contient, les trésors qu'il contient, l'âme, qui le défend par sa personne, par sa langue, l'âme. Voici le suiveur du Coran. Celui qui fait ceci, Inch'Allah, le Coran viendra intercéder en sa faveur, Yawm al-Qiyam, comme ceci est rapporté dans le cantique de l'imam muslim d'après une version d'Abi Umamata. Où le prophète a dit à cette fois, Iqra'u al-Qur'an, yakul Iqra'u al-Qur'an, fa innahu ya'ti, shafi'an li ashabihi yawm al-qiyamah.
lisez le Coran, car il viendra comme un intercesseur pour vous le jour du jugement. La lecture ici, non, c'est pas juste une lecture, une simple lecture. Non, car ça, c'est même les munafiqines, ils le font. Non, même les koufars, ils lisent le Coran. Mais c'est une lecture. Méditer sur les versets, appliquer les versets, défendre le Coran de tout ce qui pourrait l'entacher, etc., etc. Considérer le Coran à sa juste valeur. إذن هذا الأثر أخرجه كما في الدغر المنثور أخرجه الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والصححة والبيهقي في شعب الإيمان. حديث ستشم ترسبيسان الأوتنتيك. يقول الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Et cramponnez-vous à la corde d'Allah et ne vous divisez pas. Et cramponnez-vous, rappelez-vous, le verbe à l'impératif implique l'obligation religieuse. Naam. Wa'tasimu, c'est un verbe à l'impératif, donc c'est un ordre religieux. Accrochez-vous à la corde d'Allah et ne vous divisez pas. Naam. Quel est le sens de la corde d'Allah? Qu'est-ce que ça signifie? يقول المؤلف وأمر الله بالاعتصام به فقال يعني بالاعتصام بالكتاب وقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وحبل الله تعالى هو كتابه لا كورد دو الله سي سون ليفر كما ثبت في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني تارك فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله عز وجل هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة. Il dit, comme ceci a été prouvé dans l'authentique de l'imam muslim, d'après une version de Zayd ibn Arqam, que le prophète a dit, que l'envoyé d'Allah a dit, sallallahu alayhi wa sallam, certes, je vous ai ramené deux choses, ثقلين, deux choses très lourdes sur la balance. Ahaduhuma kitabullah. La première de ces choses, c'est le livre d'Allah. Et c'est la corde d'Allah. Donc c'est la parole du prophète. Naam. Il a dit c'est la corde d'Allah. Manittaba'ahu kana 'ala al-huda. Celui qui le suit sera sur la guidée d'Allah. Wa man tarakahu kana 'ala dhalalatin. Celui qui le délaisse sera sur un égarement. Naam les frères. Regardez ici ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man ittaba'ahu kana 'ala al-huda. Celui qui le suit sera sur la guidée. Ici, le mot guidée, il est défini avec le alif et wal lam, at-ta'rif. Car la guidée, elle est connue, elle est une. Naam. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum 'an sabili. Voici ma voie dans toute sa rectitude, suivez-la. Et ne suivez pas les sentiers qui s'écartent de lui. Naam. Ou les sentiers, et vous vous égarerez du droit chemin. Donc la voie droite, il n'y en a qu'une seule. Mais les voies d'égarement, elles sont nombreuses et multiples. Donc le prophète ici, il a dit, El Huda, Kana al El Huda. Il sera sur la guidée. Il n'a pas dit, il sera sur une guidée. Par contre, sur l'égarement, il a dit, Wa man tarakahu, fa kana ala dalalatin. C'est un mot qui est indéfini pour montrer qu'il y a plusieurs égarements. Naam. Comme c'est rapporté dans le hadith de l'imam, dans le sahih de l'imam muslim d'après une version de Ibn Mas'ud où le Ibn Mas'ud disait Khattalana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khattan. Le prophète nous a fait un trait par terre, tout droit. Wa khatta khututan. Et il a, de part et d'autre, il a tracé beaucoup de traits. De part et d'autre, de ce trait tout droit. Et il a dit, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u. Il a cité le verset coranique. Voici ma voie droite dans toute sa rectitude. Il a dit, wa hadhihi subul. Wa ala ra'si kulli sabilin shaytanun yad'u ilayhi. Et voici les chemins de l'égarement. Les chemins. Il n'a pas dit le chemin. Il a dit les chemins au pluriel. Et à chaque chemin, il y a un shaytan, un démon qui appelle les gens à ça. À ce chemin. Le chemin des passions. Le chemin des innovations religieuses, le chemin des grands péchés, le chemin des petits péchés, le chemin du shirk, tous au final mènent en enfer. Mais le chemin droit, il est
unique et rectiligne. Et ça, c'est une preuve, mes frères, pour dire que la vérité, il n'y en a qu'une seule. الحق واحد لا يتعدد. La vérité, elle est une seule, il n'y en a pas plusieurs, comme le disent certains. Certains aiment bien dire, il y a plusieurs vérités. J'ai raison et t'as raison. Ça, c'est quelle couleur? C'est blanc? C'est blanc. C'est pas bleu. Donc la vérité, c'est que c'est blanc. Ça ne peut pas être blanc et blanc en même temps. Voilà. Donc, la vérité, elle est unique. Il n'y en a qu'une seule. Non, les frères, il ne peut pas y avoir deux vérités. الحق واحد لا يتعدد. Non. Ces gens-là disent ça pourquoi? Pour accepter les divergences dans la communauté. Et en acceptant les divergences, on les laisse tranquilles. Voilà, on a divergé, vous avez raison, vous serez récompensés, nous serons récompensés, Inch'Allah. Il y a plusieurs vérités. Non. Mais en fait, ils n'ont pas compris la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être s'ils ont fait, un effort d'interprétation religieuse, ils se sont divergés. Non, peut-être qu'ils seront récompensés. Celui qui aura raison, il aura deux récompenses. Celui qui a tort, il aura une récompense, comme a dit le prophète. Voilà qui a raison, qui a tort. Il n'y en a qu'un qui a raison. Ils ne peuvent pas les deux avoir raison. Les deux seront récompensés, mais celui qui aura raison, il n'y en a qu'un seul. Car la vérité est unique. Non. Donc aussi, ce hadith-là, parmi tant d'autres preuves, est une preuve comme quoi la vérité ou la voie de la guidée, il n'y en a qu'une seule. Barakallahu fikoum, et les voies d'égarement, elles sont multiples et nombreuses. وقد أخرج الإمام الدارمي في سننه في كتاب فضائل القرآن عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين ينادون يا عبد الله هذا الطريق فاعتصموا بحبل الله فَإِنَّ حَبْلَ اللَّهِ الْقُرْآنِ. Donc l'imam Darimi a rapporté dans son sunan, dans son chapitre, les mérites du Coran. D'après une version de Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu, qui a dit, certes cette voie droite, elle est fréquentée, muhtazar. Elle est fréquentée. Fréquentée par qui? Qui c'est qui est aux aguets? Shayatin. Pensez-vous que celui qui est sur la voie droite, les chatines, ils vont le laisser tranquille? Et qu'il est sauvé? Ils vont redoubler d'efforts sur lui. Ceux qui sont dans la perdition, à droite et à gauche, les chatines, ils jouent avec eux. Ils sont déjà dans la perdition. Ils n'attachent pas plus d'importance à eux. Ils attacheront de l'importance à eux s'ils reviennent vers la vérité. Amma, ceux qui sont sur la vérité, ils mettent tous leurs efforts en œuvre pour essayer de les égarer. Donc c'est à nous de redoubler d'efforts et de vigilance. Non? Donc il dit, Sahabi Abdullah ibn Mas'ud, Inna hadha sirata muhtadhar. Cette voie-là, elle est fréquentée. Tahduruhu shayatin. Par qui? Par les démons. Yunadun, ils appellent, Ya Abdullah, ta'ala. Ya Abdullah, viens vers moi, viens vers moi. Viens vers le shirk, viens vers l'innovation, viens vers les péchés, viens vers les shahawat, wa shubuhat ila akhiri. Ils l'appellent. Naam, les frères. Alaysa al-amru kadhalik? On n'est pas tous tentés par ça? Même si on n'est pas tenté par les innovations religieuses, bifadlillahi tabaraka wa ta'ala, ni par le shirk, bifadlillahi tabaraka wa ta'ala. Voilà qu'il reste toutes les choses derrière, les shahawat. Donc, il nous appelle, yunadun, ya Abdallah. Hada tariq. Et dans le Mas'ud, il dit ce chemin-là, le chemin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Accrochez-vous à la corde d'Allah. Car la corde d'Allah, c'est le Coran. Combien de personnes ne lisent même pas le Coran parmi les musulmans? Combien de personnes délaissent le Coran? Combien de personnes ne font pas l'effort d'aller apprendre, ne serait-ce que les petites sourates de la fin, et de connaître leur sens? Combien de personnes il y a chez elles des Coran? Ils sont alourdis par la poussière qu'il y a dessus. Combien, les frères? والله انا اتعجب من بيوت بعض المسلمين لا يوجد في بيوتهم قران ولا مصحف واحد. Je l'ai déjà vu, mes frères. Je me tâte de voir chez des musulmans, des fois on trouve même pas un seul Coran. J'avais un ami, j'ai été le voir, je lui ai dit, est-ce que tu peux me prêter un Coran? Il n'avait pas de Coran chez lui. Alors que c'est des musulmans de tradition. Il n'avait pas un Coran chez lui. J'ai été voir une autre personne, il n'y avait pas de Coran chez lui.
C'est étonnant, mes frères. Et il y en a d'autres, ils ont le Coran, mais ils ne l'ouvrent qu'une fois dans le mois. Ou alors ils ne l'ouvrent qu'au mois de Ramadan. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit se comporter avec le Coran? Est-ce que c'est ça, al-nasihatu li kitabillahi tabaraka wa ta'ala? Comme a dit le prophète. Ad-din al-nasiha qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi. Il a commencé par le kitab. Et elle consiste en quoi? Justement, en le lisant, en méditant sur ce verset, en appliquant ses injonctions divines, en méditant sur ses trésors qu'il contient, en appelant les gens à ce Coran, en le lisant de la façon que le prophète l'a lu, sallallahu alayhi wa sallam. Hadi an-nasihatu li kitabillah. Comment on est nous par rapport à ça? Vous ouvrez un livre comme ça. Vous voyez, vous ouvrez votre Coran comme ça. Si vous voyez que les pages ici, là, elles sont propres, c'est une preuve que vous ouvrez jamais le Coran. Si vous voyez ici que c'est noir, que c'est sale, alhamdoulilah, vous ouvrez le Coran assez fréquemment. C'est comme ça qu'on reconnaît les lecteurs du Coran. Naam, les frères. Et c'est comme ça qu'on reconnaît aussi talab al-ilm, l'étudiant en sciences. Ces livres ici sont noirs. Pourquoi? Parce qu'il est tout le temps dedans. Tout le temps. Tourne les pages. Yotalia, yotalia, yotalia. À force, le livre il devient noir ici. Mais ici, quand le livre il est propre, quand le livre il est propre ici, ça prouve qu'il n'ouvre jamais son livre. Et on ne viendra pas me dire, quand j'ouvre mon livre, j'ai des mains propres. Non, ça ne marche pas ça. Donc, Abdullah ibn Mas'ud dit, فَإِنَّ حَبْلَ اللَّهِ الْقُرْآنِ. Non, les frères. Al-Qur'an, barakallahu fikum. Surtout que nous allons rentrer dans le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est le mois du Qur'an. Mais ce n'est pas le seul mois où le Coran doit être lu. Barakallahu fikum. Certains pensent que le Ramadan, c'est le mois du Coran. Dès qu'on sort de Ramadan, on passe à autre chose. Non, mes frères. Le Coran, c'est tout le temps, c'est toute l'année. c'est un guide le Coran. C'est un livre de vie. Il y a tout dedans. Barakallahu fikum. Donc, Inch'Allah, profitez du Ramadan pour revenir vers le Coran. Que ce soit un tremplin pour vous, afin qu'au mois de Shawwal, Zulqa'dah, Zulhijja et les autres mois qui suivent, vous continuez dans cette lancée, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Lisez tous les jours ou par semaine. Faites-vous un programme, lisez une partie du Coran ou apprenez une partie du Coran. Mais ne délaissez pas le Coran. Barakallahu fikum. Car Allah a dit, tabaraka wa ta'ala, ou le prophète a dit, Inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Certes, mon peuple a délaissé ce Coran. Hadi min sifati al-munafiqin wal-kuffar. Non, mes frères, ne rentrons pas, Inch'Allah, ne serait-ce qu'à petite échelle, dans la menace de ce verset coranique où le prophète a dit, certes, mon peuple a délaissé ce Coran. Non. Un peu plus loin, je vais vous traduire, Inch'Allah, la parole de Cheikh d'Islam ibn Taymiyyah, Inch'Allah, car elle est importante. En bas de la page 338, يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى قاعدة نافعة في وجوب الاعتصام بالرسالة وبيان أن السعادة والهدى في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الضلال والشقاء في مخالفته وأن كل شر في العالم مختص بالعبد فسببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم أو الجهل بما جاء به وأن سعادة العباد في معاشهم ومعاديهم باتباع الرسالة. Donc il dit, Cheikh d'Islam, qu'Allah lui fasse miséricorde, voici une règle bénéfique concernant l'obligation de s'attacher au message, ainsi que l'éclaircissement sur le fait que le bonheur et la guidée ne résident que dans le suivi de l'envoyé. Ça vous rappelle rien cette phrase? إن الفلاح والسعادة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. C'est ce que disent l'établir. Ils le répètent à chaque fois, mais dans l'application, ils sont loin de ça, malheureusement. Naam. Inna al-falaha wa sahadata fi tiba'i nabi al-sat wa salam. Naam. S'ils appliquaient vraiment ce qu'ils disent, ils ne seront pas dans le khuruj fi sabilillah. Donc, il dit, voici une règle bénéfique concernant l'obligation de s'attacher au message, ainsi que dans l'éclaircissement sur le fait que le bonheur et la guidée ne résident que dans le suivi de l'envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. Et que l'égarement et le malheur ne résident que dans sa contradiction et son opposition. Et que tout mal dans ce monde propre au serviteur n'a que pour cause la contradiction et l'opposition à l'envoyé, ou bien l'ignorance de ce par quoi il est venu, et que le bonheur du serviteur dans sa vie quotidienne et dans son retour ne réside que dans le suivi du message. Il dit que le message, c'est une nécessité pour le serviteur, le message divin, ou le message prophétique. C'est une nécessité, mes frères. والله العلي العظيم لولا أنزل الله الكتب وأرسل الرسل لكنا في دركة البهائم أجموات.
Si Allah n'avait pas descendu les livres et envoyé les envoyés, on serait à l'état de bestiaux. Même avec ça, regardez comment on se comporte. Même avec les bonnes mœurs que nous a appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez comment on est. Imaginez-vous que Allah n'ait fait descendre aucun livre et n'ait envoyé aucun prophète. Imaginez-vous le chaos dans lequel on serait au niveau des bestiaux. En train de se concurrencer dans des choses futiles. Non. Donc il dit, le message divin, c'est la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, le message divin est une nécessité pour les serviteurs. La budda lahum minha. Wa hajatuhum ilayha fawqa hajatihim ila kulli shay'in. Leur indigence, l'indigence qu'ils ont envers ce message, elle est plus grande que l'indigence qu'ils ont envers n'importe quelle autre chose. Envers la nourriture, envers n'importe quelle chose. Ceci est la chose la plus nécessaire et la plus vitale pour la personne. Wa risalatu ruhul alam wa nuruhu wa hayatuhu. Fa ayu salahin lil alami idha udima ruha wal hayat wal nur. Il dit, le message, c'est l'âme de ce monde. L'âme de ce monde, sa lumière et sa vie. Comment le monde peut-il se réformer si son âme, sa vie et sa lumière sont absentes? Comment le monde peut s'améliorer et se réformer s'il n'y a pas son âme, sa vie et sa lumière? وَالدُّنْيَا مُذْلِمَةٌ مَلْعُونَ. Cette vie-là, elle est obscure, ténébreuse et maudite. Comme ceci a été rapporté dans de nombreux hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Cette vie-là, elle est maudite, mes frères. Elle n'a aucune espèce de valeur auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Sauf le rappel d'Allah et la recherche de la science religieuse. Ad-dunya muslimatun mal'una illa ma tala'at alayhi shamsu risala. Il dit, cette dunya, elle est ténébreuse et maudite. Sauf si le soleil du message se lève à l'horizon. وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ فِي ظُلْمَ. De même que le serviteur, il est dans les ténèbres. وَهُوَ مِنَ الْأَمْوَاتِ. Et il est parmi les morts. قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Il dit, Cheikh d'Islam, cette vie d'ici-bas est ténébreuse, maudite, sauf si la lumière du soleil ou la lumière du soleil, du message, se lève à l'horizon. Il en est de même du serviteur dans les ténèbres. Il est parmi les morts. Allah le Très-Haut a dit, et ce que celui qui est mort et que nous avons ramené à la vie et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens est comparable à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir. Voilà mes frères, dans le Coran, il y a quelque chose que vous devez savoir. C'est que Allah, lorsqu'il évoque le mort et le vivant dans le Coran, le mort pour Allah, c'est le mécréant. Le vivant pour Allah, c'est le croyant. Regardez ce qu'il dit ici Allah. Awa man kana maytan fa ahyaynahu. Naam. Est-ce que celui qui était mort et à qui nous avons donné la vie? Celui qui était mort, c'est celui qui était dans la mécréance. Nous lui avons donné la vie comment? Avec le message. فَأَحْيَيْنَاهُ بِرْلِسَالَ. Avec le message, mes frères. Naam. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا. Et nous lui avons assigné une lumière par laquelle il marche parmi les gens. À l'image du croyant qui marche parmi les mécréants. Il a avec lui une lumière. La lumière du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là est-il comparable à celui qui est dans les ténèbres et qui ne peut en sortir? Ne sont pas comparables. Même si en apparence, on ne fait pas la différence. Voilà qui la différence, elle est bien là, mes frères. Et yawm al-qiyama, la différence, elle sera claire et évidente. Famtazu ayyuha al-mujrimoun. Allah dira, famtazu ayyuha al-mujrimoun. Ô vous les criminels, distinguez-vous et séparez-vous des autres, des croyants. La distinction yawm al-qiyama, elle sera d'autant plus importante que la distinction que la personne se sera efforcée de mettre en pratique dans cette vie-là. Naam, les frères, plus le musulman dans cette vie-là se distingue du mécréant, plus il sera distingué et différencié du mécréant le jour du jugement. Et plus le musulman s'apparente au mécréant dans cette vie-là, et plus il s'apparentera le jour du jugement au mécréant
Non, les frères? Non. Donc, est-ce que ces deux personnes sont comparables? Celui qui a reçu la lumière du message et celui qui ne l'a pas reçu? Voilà, mes frères, on vit à une époque où toutes les croyances, elles sont mises au grand jour. Je crois que Allah tabaraka ta'ala mira til islam. طيب ثم يقول شيخ الاسلام continue فهذا وصف المؤمن الذي يمشي بين الناس بنور من الله تبارك وتعالى هذا وصف المؤمن كان ميتا في ظلمة الجهل فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان وجعل له نورا يمشي به في الناس il dit voici la description du croyant il était comparable à un mort donc le mort dans le Coran ce n'est pas le mort Lui qui n'a plus de vie, c'est le mécréant. Et le vivant dans le Coran, c'est celui qui vit par le message, par la révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Voici la description du croyant. Il était comparable à un mort dans les ténèbres de l'ignorance et Allah lui a donné la vie. Avec l'âme du message, la lumière de la foi, il lui a octroyé une lumière par laquelle il marche parmi les gens. Donc, quand sallallahu ta'ala risalatahu ruha wa ruh إذا عدم فقد فقدت الحياة قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء نهدي به من نشاء من عبادنا الله nommé son message une âme نعم الله il a nommé son message une âme وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit ou une âme provenant de notre ordre. Donc ici, Allah, textuellement, il a nommé sa risala, son message, Ruh, Ruhan. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi. Ici, le discours s'adresse au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Et en vérité, tu guides vers un chemin droit. Donc tu guides vers un chemin droit. Effectivement, le prophète guide vers un chemin droit. Mais la guidée du prophète ici, c'est une guidée dans l'orientation, pas la guidée des cœurs. Le prophète n'a pas la capacité de convertir les personnes ou de guider les cœurs. Le prophète n'a que la capacité de montrer le chemin. Hidayatul Irshad, d'orienter, d'éclaircir, de montrer, qu'on appelle Hidayatul Irshad wa Dalal. Amma Hidayatul Tawfiq, amma la guidée. Du cœur, celle-là, elle est réservée à Allah, tabaraka wa ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Non, lorsque l'oncle du prophète Abu Talib est mort, Allah lui a dit, tu ne guides pas qui tu aimes. Le prophète aurait aimé que Abu Talib rentre dans l'islam. Mais il ne peut le faire. Il n'a pas la capacité de guider les cœurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comme disent certains. Certains disent que le prophète a la capacité de guider les cœurs. Ils disent même que certaines personnes parmi les imams ont la capacité de guider les cœurs. Kadhiban wa zura. C'est du mensonge. Non, mes frères, ni le prophète, ni personne n'a la capacité de guider les cœurs. Ceci est restrictif et exclusif à Allah, tabaraka wa ta'ala. Amma, guider les gens vers le droit chemin, ça c'est pour le prophète et pour les savants d'une manière en générale et les prédicateurs. Donc Allah lui a dit, tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Donc ici Allah nous dit, et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, Ruhan, provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi. Mais nous en avons fait une lumière, c'est-à-dire ce livre, par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs, et en vérité tu guides vers un chemin droit. Non, verset 52 de la sourate Al-Shura. فَذَكَرَ هُنَا الْأَصْلَيْنِ وَهُمَا الْرُوحِ وَالنُّورِ Allah ici l'a cité deux principes. Ruh, l'âme et la lumière. Fabruh, l'âme c'est la vie. Wal hayat. Wal nur, wal nur. Non. Et la lumière c'est la lumière. Wa hajatul abdi ila risalati a'zamu bi kathirin min hajatil marid ila tibbi. Il dit l'indigence de la personne vers le message divin est plus importante et plus conséquente que son indigence et son besoin vers la médecine s'il est malade. L'âme, les frères. فَإِنَّ آخِرَ مَا يُقَدَّرُ بِعَدَمِ الطَّبِيبِ مَوْتُ الْأَبْدَانِ
Ça, c'est des paroles, machallah, c'est des paroles en or, mes frères. La dernière des choses que l'on peut supposer en l'absence du médecin, c'est quoi? C'est la mort du corps. Si une personne, elle a besoin d'un médecin, mais on n'en trouve pas. La pire des choses qui puisse lui arriver, c'est quoi? C'est qu'il meure et que son corps meure. Taïb. Quant au serviteur qui n'a pas atteint la lumière du message divin, et sa vie, wa hayatahu, son cœur mourra d'une mort dont un retour à la vie ne sera pas envisagé ni espéré. Il sera malheureux d'un malheur qui ne sera jamais suivi d'un bonheur. Il n'y a de réussite que dans le suivi de l'envoyé, car Allah a restreint et spécifié la réussite à ses suiveurs parmi les croyants et ses secoureurs. Comme le Très-Haut a dit, ceux qui croiront en lui le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là seront les gagnants. C'est-à-dire, nul ne sera gagnant sauf eux. Donc, chéri l'islam, c'est ce qu'il dit ici. Il dit, أما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها مات قلبه موتا لا ترجى الحياة معه أبدا. Qu'est-ce qui est plus grave, mes frères? De perdre son corps ou de perdre son cœur? De perdre son cœur. Non, mes frères. Une personne, elle peut mourir. Non, elle va, son corps, il va mourir. Walakin, si son âme était dans la lumière du message divin, alhamdulillah, il vivra une vie heureuse dans le delà. Par contre, si la personne n'a pas cette lumière, non, perd la vie de son cœur, dès lors qu'il perdra là, la vie de son corps ou son corps, il aura tout perdu. Beaucoup de personnes attachent de l'importance à l'al-badan, c'est-à-dire au corps, et mettent de côté, ferment les yeux sur le côté spirituel. Alors que l'essence même du message de l'islam, c'est le cœur, c'est la spiritualité, les frères. Non, ce n'est pas une série d'adorations que l'on fait comme ça. Tout est basé sur le cœur. Al-niyya, al-ikhlasu lillahi tabaraka wa ta'ala. La sincérité envers Allah. S'il n'y a pas tout ceci, tous les actes d'adoration que tu peux faire, si nombreux soient-ils, n'ont aucune valeur auprès d'Allah. Non. Donc, qu'est-ce qui est plus important? Et qu'est-ce que la personne a besoin le plus? La vie de son cœur ou la vie de son corps? La vie de son cœur. Non. Même si la vie de son corps, c'est important. Mais la vie de son cœur, elle est plus importante. Et la vie de son cœur, elle est définie comment? Par la lumière du message divin. « Ma ta qalbuhu mautan la turjal hayatu ma'ahu abadan » أو شقي شقاوة لا سعادة معها أبدا فلا فلاح إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله خص بالفلاح أتباعه المؤمنين وأنصاره كما قال تعالى والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون أي لا مفلح إلا هم. C'est ce que je vous ai traduit ici. وكما قال الله تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Et que soit issu de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, car ce seront eux qui réussiront, et exclusivement eux. Donc cheikh l'islam il dit فخص هؤلاء بالفلاح كما خص المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم ويؤمنون بما أنزل إلى رسوله وما أنزل من قبله ويقينون بالآخرة وبالهدى والفلاح فعلم بذلك أن الهدى والفلاح دائر حول ربع الرسالة وجودا وعدما. انتهى كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية. Allah a spécifié ces gens-là comme étant les gagnants, comme il a spécifié les pieux, ceux-là même qui croient en l'invisible, qui accomplissent la prière et qui dépensent de ce qu'il leur a octroyé, qui croient en ce qui a été descendu sur son envoyé et ce qui a été descendu avant lui et qui sont convaincus par la vie de l'au-delà. Il les a spécifiés par quoi? Par la guidée et la réussite. On comprend de ceci que la guidée et la réussite tournent autour du message, qu'elle soit présente ou non. Elle est en corrélation directe avec lui. C'est-à-dire, Allah dit tabaraka wa ta'ala, alif lam mim, dhalika al-kitab la rayba fi, hudan lil muttaqin. Alif lam mim, voici le livre sur lequel il n'y a aucun doute, qui est une guidée pour les pieux. Le Coran est une guidée pour les pieux. Et Allah donne une description de ces gens-là. Alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladhina yu'minuna bima unzila ilayka
إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Qui sont les pieux? Ce sont ceux d'abord qui croient en l'invisible. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة, qui accomplissent la prière. ومما رزقناهم ينفقون, et qui dépensent de ce que nous leur avons octroyé comme subsistance. Ceux qui ont cru en ce qui a été descendu sur toi et ce qui a été descendu avant toi, sur les messagers précédents. Oulaika ala hudam min rabbihim, ceux-là sont une guidée de leur Seigneur. Wa oulaika humul muflihun, et ceux-là ce sont les gagnants. Regardez comment Allah il a décrit les gens pieux par ceux qui croient des gens en l'invisible. El iman bil ghaib, yatadammanu al iman bil yawm al akhir, al iman bi al qabr na'imihi wa 'adhabihi, al iman bi ashrat al sa'ati wal iman bi kull ma akhbara Allah tabaraka wa ta'ala min al ghaibiyat. De tout ce qu'Allah a formé des choses invisibles, on y croit. Sami'na wa ata'na, kullun min 'ind rabbina. Comme ils disent les savants, enracinés dans la science, tout ceci vient d'Allah. Amen. Non, on y croit. Amen bihi kullum min 'ind rabbina. On y croit et tout ceci vient d'Allah. Pas comme disent les autres, on ne croit pas en ceci car ça ne rentre pas dans notre tête. Donc ils croient en l'invisible. La première qualité par laquelle Allah les a décrits, ces gens pieux, yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salat. Ceci montre la faveur, la valeur de la prière. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, ceci fait une allusion à la zakat, et d'une manière plus générale à ceux qui dépensent fi sabilillah. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ, qui croivent à ce qui a été descendu sur toi, de manière globale ou détaillée, comme nous l'avions déjà vu. Et ce qui a été descendu avant toi, on croit en tous les prophètes et en tous les livres, de manière globale et détaillée. Ceux-là sont... Ceux-là sont ceux qui sont sur une guidée de leur Seigneur, et ceux-là sont ceux qui réussiront auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. N'am les frères? Donc ceci prouve bien que le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une obligation religieuse, et il fait partie des choses par lesquelles la personne, si elle s'y applique, sera sauvée le jour du jugement. وقد أخرج الدارمي في سننه والآجوري في الشريعة بإسناد صحيح عن الزهري رحمه الله تبارك وتعالى كان من مضى من علمائنا يقول الاعتصام بالسنة نجاة. الإمام الدارمي a rapporté dans son sunan, et l'imam al-Ajuri dans le kitab al-Sharia, d'après une chaîne de transmission authentique, non, remontant jusqu'à l'imam al-Zuhri, qui a dit, l'imam al-Zuhri c'est un des grands tabi'in, il y avait quelle époque des tabi'in, qui a dit: il y avait auparavant certains de nos savants qui disaient l'attachement à la sunna est un sauvetage. L'attachement à la sunna est un sauvetage, ou une voie de sauvetage, ou une bouée de sauvetage, comme vous voulez. Eux, ils avaient compris que l'attachement à la sunna est une chose par laquelle tu seras sauvé dans cette vie-là des shubuhat wa shahawat, c'est-à-dire des ambiguïtés religieuses et des passions, mais aussi dans l'au-delà, du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Aussi, وقد أخرج محمد بن نصر عن أبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال لن تخطئ الطريق ما اتبعت الأثر. Donc Muhammad ibn Nasr a rapporté de Abi Darda, qui est un sahabi, qui est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit: tu ne sortiras pas de la voie tant que tu suivras les traces. Non. Tu ne sortiras pas de la voie droite tant que tu suivras les traces. Autrement dit, c'est comme si la voie droite, sur la voie droite, il y a des traces de pas. Non. Ce sont les traces du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tant qu'on suit ces traces de pas-là, qu'on les prend comme un repère, comme un fil conducteur, alhamdulillah, on ne sortira pas du chemin. Si on s'écarte de ces pas, si on s'aventure à droite ou à gauche, alors la personne, elle ne s'en prendra qu'à elle-même. فَلَا يَلُمَّنَّ إِلَّا نَفْسَهُ, il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même, يَوْ مَلْقِيَمْ. Donc, voici la parole du sahabi Abi Darda. Et aussi, عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ بْنُ مَسْعُودَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُخْتِئَ الطَّرِيقَ مَا دُمْتَ عَلَى الْأَثَرِ. Ça va dans le même sens. Il dit, عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ بْنُ مَسْعُودَ, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: certes,
Tu ne te tromperas jamais de chemin tant que tu seras sur les traces. Tant que tu seras sur les traces. Là. Alors que la parole de Abi Darda, tant que tu suivras les traces. Ça veut dire la même chose. وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى عليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. C'est une parole que nous avions déjà citée. عمر بن عبد العزيز a dit رحمه الله تبارك وتعالى il est de ton devoir de t'accrocher à la sunna car elle sera par la permission d'Allah pour toi une protection. Une protection contre les tentations de cette vie-là, quelles qu'elles soient, et une protection contre le feu de l'enfer dans l'au-delà. Non. Ces paroles des salafs, mes frères, vous voyez qu'elles sont courtes, elles sont concises. Voilà qu'ayez ça en tête, inshallah, tabaraka wa ta'ala, les salafs, notamment les salafs des trois premiers siècles, comme c'est le cas ici, lorsqu'ils disent des propos, ils disent des propos qui ont une base religieuse. Ils ne tiennent jamais des propos tirés de leur propre raison. Non, les frères, c'est ce qui caractérise, entre autres, les salafs des khalafs. Donc, cette parole-là de Omar ibn Abd al-Aziz, ou du sahabi Abi Darda, ce sont des paroles, en fait, qui remontent au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Non. Et ce sont des paroles qui sont connues chez les gens de la sunna. Donc, prenez-le presque comme une révélation. Presque. « Wa ahlu sunnati ahrasu nasi ala l'ittiba'a » وأكثرهم تمسكا بالسنة إذ هم أهلها والأولى بها دون الناس وهم على وعي تام بخطورة البدعة وقبيح آثرها في الدين وأنها العقبة الثانية بعد الكفر من العقبات التي يريد الشيطان أن يثفر بالعبد فيها. Les gens de la sunna sont les plus assidus parmi les gens dans le suivi. Et ceux qui s'attachent le plus à la sunna, car ils en sont les dignitaires et les plus en droit à son affiliation par rapport au reste des gens. Naam les frères, ceux qui suivent la sunna correctement, ils sont les plus en droit d'être appelés ahlu sunna. Naam les frères, ceux qui suivent la sunna de manière trafiquée, ceux-là ne méritent pas de s'appeler ahlu sunna wal jamaa. Ils ont pleinement conscience de la dangerosité de l'innovation religieuse et des conséquences néfastes qu'elle occasionne dans la religion et qu'elle constitue le deuxième obstacle après la mécréance parmi les obstacles qu'utilise Satan pour dominer le serviteur. Effectivement, mes frères, Satan utilise toutes sortes d'artifices pour égarer les fils d'Adam et il met des obstacles sur la voie droite. Il met des obstacles, ce qu'on appelle el-aqabat. Non ? Il met d'abord l'obstacle du polythéisme. Pour que la personne rentre dans Shirk Billah. C'est quelqu'un de très rusé et il connaît les faiblesses de l'être humain. Il va tout mettre en œuvre pour que la personne tombe dans le Shirk ou dans le polythéisme majeur. Car il sait pertinemment que si la personne meurt dans cet état, Allah ne lui pardonnera pas. Dames les frères. Donc il va redoubler d'efforts dans ce domaine. هذه العقبة الأولى. Elle est liée aussi à la mécréance. Nam al-shirk ou al-kufr. S'il n'arrive pas à ceci, il va passer à un deuxième obstacle qui est al-bid'ah, barakallahu fikum, l'innovation religieuse. Pourquoi, mes frères? Pourquoi il n'a pas mis d'abord, je ne sais pas, les grands péchés? Non, al-kaba'ir. Pourquoi l'innovation religieuse? Car Shaitan sait pertinemment que la personne qui fait une innovation religieuse, il est en contradiction avec la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et indirectement, il combat la sunna. Indirectement, il combat la sunna. Il s'allie avec des gens qu'Allah s'est désavoué d'eux. Ou alors, il se désavoue avec des gens qu'Allah s'est allié avec eux. Et il s'oppose à la sunna. Et il rejette la sunna. Et il accepte la bid'ah. L'âme, etc., etc. Toutes sortes de préjudices dans la religion. Et la personne qui fait une innovation religieuse, bien sûr, il est convaincu que ce qu'il fait, c'est bien. L'âme. Car s'il était convaincu qu'il était dans l'erreur, il ne le ferait pas. Donc il est convaincu de ce qu'il fait, c'est bien. Donc, par voie de conséquence, il n'aura pas l'idée de venir se repentir
de ce qu'il est en train de faire. Donc il va perdurer dans cette innovation religieuse jusqu'à sa mort, qu'Allah nous en préserve. Donc ça constitue un danger vraiment important. Et d'ailleurs, Shaitan l'utilise comme deuxième obstacle parmi les obstacles qu'il met sur la voie du croyant dans son cheminement vers Allah. Tabaraka wa ta'ala. Non, mes frères, avant les grands péchés, avant les petits péchés, avant les autres choses. À la page 342, en bas de la page 342, il y a l'imam al-Asbahani, rahimahullah tabaraka wa ta'ala. وذلك أنه تبين للناس أمر دينهم فعلينا الاتباع لأن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم السنة لأمته وأوضحها لأصحابه فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الدين فقد ضل. الدين إمام الأسبهاني et par tout ceci, il a certes été exposé aux gens et éclairci aux gens les choses de leur religion. Il est de notre devoir de suivre, car la religion n'est venue que d'Allah le Très-Haut et n'a pas été soumise à la raison des hommes ni à leurs opinions. D'accord ? Vous voyez, dans les débats télévisés, des fois, il y a deux contradicteurs comme ça. Et t'as le premier qui commence à parler, il dit « Moi, je pense que, moi, je pense que, moi, je pense que. » Et l'autre en face « Moi, je pense que, moi, je pense que, moi, je pense que. » Quels sont les fruits qu'on en tire ? La pensée de la personne. C'est pour ça que l'imam al-Asbahani nous dit la religion, elle n'a pas été soumise aux opinions des personnes. Je pense que c'est ce qu'on appelle en arabe al-istihsanu ou al-istiqbah. C'est-à-dire le fait de déclarer quelque chose bien ou le fait de déclarer quelque chose pas bien. Al-istihsanu ou al-istiqbah irtassa biha Allah tabaraka wa ta'ala. Ce sont des choses qui sont spécifiques à Allah. Na man yastahsin Allah, man yastakbih Allah. Qui c'est qui dit que telle chose est bien, c'est Allah. Qui c'est qui dit que telle chose est mauvaise, c'est Allah. Naam les frères. On a l'impression que ces principes religieux, les gens ils ne les comprennent même pas. Lorsqu'on leur dit que la démocratie, c'est pas autorisé. Ils disent, mais c'est bien, je pense que c'est bien. Les gens participent, les gens donnent leur opinion. Non, mais on ne t'a pas demandé ton avis, mon frère. On t'a donné le jugement d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Haram ou haram. Celui qui légifère les lois, c'est Allah et son prophète. Ce ne sont pas les hommes. Barakallahu fikoum. Donc, que tu trouves ça bien ou pas bien, c'est ton problème. Non, tu le gardes pour toi. Tu seras jugé en conséquence. Non. Voilà que nous, ce qu'on considère, c'est le statut juridique. Al-hukm shar'i min al-kitab aw as-sunnah. Donc il dit, cette religion n'a pas été soumise à la raison des hommes ni à leur opinion. D'accord ? L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a exposé à sa communauté sa sunnah. Et il l'a éclairci à ses compagnons. Toute personne qui contredirait les compagnons de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa ta'ala anhu sur une chose concernant la religion, c'est certes égaré. Wassahabatu, ça c'est la parole du Cheikh Raslan. Ridwanullahi alayhim, la tanzima ladayhim, wala ra'isa, wala murshid, wala matbu'a siwa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, wa ahlul haditha ala al-athar, wa ahlul sunnati khalfa ashabin nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, هم تبع للعلماء المتبعين للكتاب والسنة على فهم السلف الصالح ليس لديهم تنظيم صغري ولا بيعة داخلية ولا لقاءات خفية ولا ترتيب باطني ولا يخفون شيئا عن ولاة الأمر بل عن عامة الناس وليس لديهم تنظيم هرمي ولا خلايا ولا أجنحة بل هم مع ولاة الأمر وعموم المسلمين على ما جاء في شرع الله تعالى بالنصيحة باطنا وظاهرا وقدوتهم في ذلك ما كان عليه الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. Il dit, quant aux compagnons qu'Allah les agrée, ils n'étaient pas sous une organisation. Non. Ils n'étaient pas sous une organisation ou liés à un système. Ils n'avaient pas de leader.
ni de Murshid. Nam, Murshid pour faire référence, Ikhwan al-Muslimin. Le chef d'Ikhwan al-Muslimin, on l'appelle Murshid. Al-Murshid al-Am. La personne vers qui on revient pour les décisions politiques, économiques, etc. et même religieuses. Donc il dit, il n'avait ni de leader, ni de Murshid, ni de personne suivie, si ce n'est l'envoyé d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens du hadith sont sur ses traces. Et les gens de la sunna sont derrière les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils suivent les savants qui suivent le livre et la sunna. Naam. Ici, le tiba' al-ulama, le suivi des savants, il est conditionné par le suivi du prophète. Naam. Ce n'est pas un suivi dans l'absolu, comme on l'a déjà expliqué à plusieurs reprises. Le suivi du prophète, il est à la bab al-istiqlal. Le prophète, à sa femme, lui et sa parole, c'est une révélation. Donc on le suit dans tout ce qu'il dit. Amma les savants, on les suit les savants, dès lors qu'ils sont en conformité avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un suivi qui est relatif, conditionné. Ça aussi c'est pour répondre à ceux qui suivent leurs savants aveuglément. Nous avions déjà parlé de ça la semaine dernière. Ceux qui suivent leurs savants et qui même les mettent à une place qui n'est pas la leur. Qui les mettent à la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam en les suivant aveuglément. Et même des fois, ils les mettent à la place d'Allah en leur vouant un culte. Non, mais en les adorant. Donc ils suivent les savants, les gens de la sunna, qui suivent le livre et la sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Ils n'avaient pas d'organisation secrète. Sahaba, ils avaient une organisation secrète? Tandimun sirri? Là. Ni de pacte interne. Bay'atun dakhiliya. Comme le font Ikhwan al-Muslimin ou les soufis. Non, ils font le pacte d'allégeance secret entre eux. Non. Ni de rencontres cachées. Non, des assises secrètes. Cachées ou occultes. Ni d'organisation ésotérique. Ils ne cachaient rien aux détenteurs de l'ordre, comme le font actuellement certaines confréries. Ils ne cachaient rien aux détenteurs de l'ordre, ni à la masse des gens. Ils n'avaient pas de système pyramidal. Tanzimun harami. Naam. Système pyramidal, comme le système d'Ikhwan al-Muslimin. Al-Murshid al-Am, puis il y a ça. Il y en a deux, puis il y en a trois, puis il y en a quatre. Puis, ils divisent les tâches, ils assignent les tâches, jusqu'au bas de l'échelle, où là, tu as tous les esclaves. L'âme qui exécute les ordres du Murshid al-Am. Nous, notre codoua, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, les compagnons du prophète, etc., etc. Donc, pas de système pyramidal, ni de cellules, l'kharaya. Ça, c'est pour répondre quoi? Takfiriyin. Non, cellules. Cellules terroristes, ou cellules autres. Mais bien le contraire. Ils étaient avec les détenteurs de l'ordre. Naam, comme on l'a déjà vu dans de nombreux chapitres, on a fait trois grands cours là-dessus. C'est que les musulmans, ils sont avec le gouverneur. Naam, même si celui-ci est injuste, ils sont avec lui. L'islah et l'ibad ou al-bilad. Afin de réformer les gens, la situation des gens et la situation du pays. Naam, donc ils marchent main dans la main. Ils ne complotent pas contre lui. Donc ils étaient avec les détenteurs de l'ordre et l'ensemble des musulmans, selon ce qui était venu de la législation d'Allah, le Très-Haut, intérieurement et extérieurement, et ceci par le bon conseil, bin Nasir. Et leur modèle et exemple dans ceci était ce sur quoi étaient les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Non, mes frères. Une dernière chose, Inch'Allah. Yaqul al-mu'allifu, as-sunnatu. Bien que ce n'est pas la parole du mu'allif, mais il la ramène, was-sunnatu. Safinatu Nuh. La sunna, c'est comme l'arche de Noé. Naam. Man rakibaha naja. Wa man takhallafa anha adrakahu at-tufan. Celui qui grimpe sur cette arche ou monte dessus sera sauvé. Et celui qui sera en retrait, celui-là sera englouti dans le déluge ou dans les flots. Naam, les frères. نقتفي بهذا القدر والصلاة والسلام على نبينا محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع وحسرة لا تنقضي وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وقل رب زدني علما